Alors aujourd'hui, avec le beau temps qui est enfin arrivé un peu sur toute la France, j'ai pensé vous faire une recette de salade estivale. C'est très agréable quand il fait chaud, et voilà. Alors, pour ça, j'ai lavé et bien sûr trié de la romaine. Mais si vous n'avez pas de romaine, parce que c'est vrai qu'on en trouve moins qu'avant de la romaine, vous pouvez très bien vous servir d'une autre salade, style batavia ou comme ça. Mais il est vrai que la romaine va très bien pour ce style de salade. Alors voilà, donc la salade bien sûr est triée, les légumes sont lavés. Et là, vous allez voir, c'est tout simple. Hein? Comme là, bon, j'enlève la grosse partie de la côte et je mets dans mon plat de service où vous voulez servir, où vous pouvez le faire dans un saladier, mais enfin ça va bien de le faire dans un plat plat. Et pour la présentation, c'est plus joli. Voilà, alors vous coupez votre salade en tronçons, un peu les feuilles de salade. Voilà. Vous faites votre base de salade. Et ensuite, on va ajouter les. Alors, bon, là, c'est une base, hein, que je vais vous donner. Mais vous pouvez varier les ingrédients que vous mettez à votre goût, hein, selon ce que vous avez ou selon votre goût, hein, ou celui de votre famille. Voilà. Voilà pour la salade. Celle-là qui est un peu plus. Je vais la mettre dessous pour la présentation. Voilà. Ensuite, j'ai pris un oignon rouge. Et je le coupe en rondelles, comme ça. Et après, je détache mes rondelles, vous voyez, d'oignon. Ça fait un petit peu plus joli et vous n'avez pas cette grosse, ce gros morceau d'oignon. Et puis ça garnit votre salade d'une façon un peu plus harmonieuse. Voilà, celle-là, je l'enlève. Je vais y en mettre encore une tranche. Et voilà. Là, je crois que c'est bon. Ensuite, je vais mettre mes. Alors là, j'ai pris des romas et de tomates. Mais si vous n'avez pas de romas, vous pouvez très bien prendre avec ou des tomates cerises ou des tomates, des marmandes ou des tomates rondes à la grappe ou comme ça. Et vous faites des tranches. C'est vrai qu'avec les romas, c'est plus facile pour les couper à tranches. Voilà pourquoi j'ai pris. Et puis bon, en ce moment, on a le jardin qui produit, alors autant profiter des tomates que nous avons. Bon, bien sûr, inutile de vous dire que les tomates, elles sont lavées et essuyées. Voilà, ça je vais là, mettre encore une. Alors, je coupe la première tranche pour pas que le pécou. C'est quand même dur, hein?
Là, c'est une entrée qui est très agréable en été. C'est rafraîchissant et il y a un peu de tout, comme on va y ajouter de la feta. Ça fait. Hop. J'ai un peu comme ça. Voilà, je vais glisser pour qu'on voit la salade quand même. Si je recouvre qu'avec les tomates, voilà les boules, je les garde. Et le poivron. Alors là, on ne va pas le mettre entier parce qu'il est gros. Je vais en faire deux. Je pense que vous émincez ce morceau de poivron. Hop, là il y a un morceau qui est tombé. Je vais. Alors pour la salade, on se sert plus souvent du verre de poivron. Et pour le faire cuire, on se sert plutôt du poivron rouge. Mais enfin, si vous aimez le rouge, vous mettez du rouge. Comme je vous dis, c'est à vous après de faire ce style de salade avec ce que vous aimez, ce que vous avez comme ingrédients. Bon, ceux qui aiment le concombre, vous pouvez y ajouter des rondelles de concombre, ça y va bien aussi. Nous, dans la famille, on n'aime pas trop le concombre, alors ça fait que vous n'en trouverez jamais trop dans mes recettes. Voilà, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Et là, j'ai pris un avocat. Alors, on va le peler, bien sûr. Vous savez que c'est très bon pour la santé, l'avocat. Alors, à mixer avec les salades, ça se marie bien. Voilà, l'autre côté. Et voilà, et là. Je vais couper par la moitié. Si. Voilà. Là, je vais faire des lanières, vous voyez. Comme ça. Là. Vous comprenez pourquoi c'est un peu plus décoratif de le faire comme ça que si je l'avais fait dans un saladier. Vous arrivez mieux à le présenter comme ça. Ça fait un petit peu plus fantaisie. Et c'est vrai que c'est plus agréable de présenter même à sa famille. C'est pas la peine d'avoir des invités pour bien présenter ses plats. C'est quand même mieux. Voilà. Là, je vais mettre mes petits cubes de feta que j'ai coupés. Alors, si vous n'avez pas de feta,
Et que vous ayez du chèvre, des petits fromages de chèvre, ça y va très bien aussi. Hein? Voilà. Il ne reste plus que les olives noires pour apporter un peu de couleur, enfin de noir, ça. Vous voyez, ça finit la décoration de votre plat. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à faire l'assaisonnement. Alors je vais mettre un peu de sel. Un tour de moulin. Un peu de vinaigre. Bon, là, je me sers de vinaigre balsamique, mais c'est pas grave, vous pouvez mettre n'importe quel vinaigre de vin, hein, et de l'huile d'olive. Alors, vous savez que vous avez dû voir dans des sondages, des statistiques ou comme ça, ce genre de salade. C'est ce qu'on vous sert en Crète ou en Grèce, enfin dans le bassin méditerranéen. Et c'est très très bon pour la santé. Alors. Mais il faut mettre de l'huile d'olive, hein, parce que l'huile d'olive, ça, c'est très très bon pour la santé aussi. Hein. Alors là, je vais battre un peu pour faire dissoudre le sel et tout. Voilà. Et là, vous versez votre assaisonnement, mais attention, vous le versez au moment où vous allez servir votre salade. Parce que là, voyez, bon, j'ai préparé ma salade, on va pas la manger de suite, alors je vais pas verser l'assaisonnement de suite, je vais en mettre un peu pour vous faire voir, mais je ne vais pas mettre la totalité, voilà, pour que vous voyez un peu les touches de vinaigre et d'huile. Mais vous servez, vous mettez votre assaisonnement qu'au moment de servir votre salade, autrement votre salade va se cuire et ça ne sera pas bon. Voilà, alors vous voyez que c'était aujourd'hui une recette toute simple, mais en cette période estivale, c'est très agréable à manger. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci pour vos gentils commentaires, comme toujours. Pensez à vous abonner ceux qui ne le sont pas, et à bientôt pour une autre recette.